On porte 10 litres d'air à 1013 hectopascal de 27 degrés Celsius à 127 degrés Celsius. Quel sera le volume de l'air lorsque la pression sera de 1333 hectopascal? Inscrivons d'abord les données. Le volume V1 vaut 10 litres, c'est-à-dire 10 décimètres au cube, ou encore 0,01 mètres au cube. La pression P1 vaut 1013 hectopascal, c'est-à-dire 101 300 pascal. La température petit T1 est de 27 degrés Celsius et donc la température grand T1 est de 300 Kelvin. Ce qui est demandé, c'est le volume V2. Nous savons que la pression P2 est de 1333 hectopascal, c'est-à-dire de 133 300 pascal, et nous savons aussi que la température petit T2 est égale à 127 degrés Celsius, et par conséquent la température grand T2 est de 400 Kelvin. Voici la situation. Nous passons de l'air dans l'état 1 à l'air dans l'état 2, et pour trouver le volume final, nous allons bien sûr appliquer la loi des gaz parfaits. De cette loi, nous pouvons déduire que P1 fois V1 sur T1 est égal à P2 fois V2 sur T2, puisque ces deux fractions sont toutes les deux égales à N fois R. Nous déduisons de cette égalité que V2 doit être égal à P1 V1 T2 sur T1 P2. Et dans cette fraction, nous remplaçons ces cinq grandeurs par les valeurs connues, ce qui nous mène vers ce calcul-là qui a comme réponse 0,01013. Par conséquent, le volume cherché vaut 0,01013 mètres au cube ou encore 10,13 litres.